fucking deep in Tennessee. With my brothers from the three, we quick to click and break the peace. No respect for what they think. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On va tester ensemble, voir à peu près ce que ça donne le Thunder Soul. Voilà, qu'est-ce que c'est, tout ça. On va voir un peu plus ensemble. Donc voilà, au cas où ça risque de laguer là. Voilà, parce que je suis pas sur le bon émulateur, on va dire. Donc voilà. Alors comment qu'on fait? Ah oui, c'est vrai. Donc là les gars, on va dans le menu et on parle à App du tonnerre. On clique dessus. Ça lag, voilà, c'est normal. Donc, tu vois qu'on a un esprit en fait, tout simplement. Et on a le choix entre Akshibe, donc ça, qui va faire protection du dieu. Donc efficace, voilà, autour de la cible, réduit les dégâts infligés. Voilà, donc en gros ça réduit les dégâts. On a... Waouh, ça met du temps là, ça lag. Hein. Bataille fénérique, du tonnerre efficace, des PV actuels du personnage afin de les réduire les dégâts. Donc on peut activer différents choix, voilà, tout simplement. Rush convertit 100% des dégâts en vos PV pendant les 20 secondes suivantes. Vos dégâts infligent 3% virgule. De PV volé. Donc c'est vrai que c'est pas mal le désir là. Et on a la âme du tonnerre, voilà, pour les alliés. Donc voilà, on a une petite âme de support, l'autre de protection, l'autre de vol de vie et l'autre de dégâts. Donc c'est pas mal. Voilà, on peut voir les stats. Donc voilà, moi vu que j'ai pris un bouclier comme ça sans savoir, donc voilà ce que ça va donner. S'il y a possibilité de spawn. Hop, activé, tu vois. Et l'esprit est là, juste derrière moi. Il a spawn et puis il m'a mis un bouclier. Et là, tu vois, le bouclier, il dure pendant quelques secondes. Et tu vois que je dois attendre un certain temps avant de pouvoir réutiliser le truc, en fait. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Le bouclier, mon gars. Pop. En vrai de vrai, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal comme système, ça rajoute un peu de trucs, tu vois. Donc voilà. Moi, ce que j'en pense, les gars, de le Thunder je Soul, si je dis pas de bêtises, voilà, bah, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne, en fait, à 4 choix. Et en gros, ça peut être vraiment, vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, on va voir le nouveau event. Donc ça lag un peu, les gars, je suis désolé. Champ de bataille, profondeur, ajustement du tonnerre, c'est ça, et ça commence dans 6h, donc ça commence à 21h les gars, je crois. Donc voilà pour la nouveauté les gars. Donc c'était juste un petit test, tout ça, donc j'espère que ça vous aura plu, tout simplement, juste pour voir ce que ça donne, petit test du Thunder Soul, voilà la nouveauté, donc l'esprit les gars. Donc c'est pas mal, ça permet de t'ajouter un petit boost de stats, tout ça. Donc c'est pas du tout jouable, voilà, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Donc c'est tout, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, c'est une vidéo très courte. Voilà, c'est un petit test du truc pour présenter. Voilà, tout simplement, ce qu'il faut savoir dessus. Bah, il n'y a pas grand chose à savoir, à part que t'as 4 choix. Tu montes celui que tu veux. Et tout simplement, t'as tout en fait qui est marqué, donc voilà. Donc je sais pas comment que je vais appeler la vidéo, peut-être guide Thunder Soul peut-être, mais voilà. En gros, voilà ce que ça donne. Et après, t'as pas grand chose à savoir, t'as juste à avoir les ressources pour l'améliorer. Donc pour les ressources, les gars, faut faire l'événement. Donc à 21h ou 22h, je sais plus. Donc pensez à le faire pour bien monter votre esprit. Et voilà les gars, tout simplement. Il y a rien d'autre à savoir. Donc c'est tout les gars, prenez soin de vous et sur ce, ciao bye, Simer.